Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre le nori clutch. Reprendre le ballon en équilibre. Accrochez-vous bien et normalement, avec un peu d'entraînement, vous pourrez y arriver. Avant de commencer, c'est très important de bien maîtriser le blocage derrière le mollet. On lève le talon, hop, 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 on fait rebondir, on tourne les hanches et on bloque. Si tu ne maîtrises pas le blocage derrière le mollet, tu ne pourras jamais réussir à faire le nori clutch. Il faut y aller étape par étape. La deuxième étape, tu commences avec le ballon amorti sur le pied. Et tu lances la balle haute et bien droite. Ensuite, tu bloques le ballon sur le pied, tu le lances à peu près à 30 cm au-dessus de ta tête, bien droit. Un demi-tour, tu pars en équilibre et tu serres les jambes. Une des étapes importantes, c'est de toujours, toujours suivre le ballon des yeux jusqu'au dernier moment. C'est très important de toujours suivre le ballon juste avant de poser ses mains. Deuxième conseil supplémentaire, un repère très important, c'est que vos mains prennent la place de vos pieds. C'est-à-dire que si je me mets sur la ligne, que je lance le ballon pour faire un nori clutch, je sais que mes mains, quand je vais me mettre en équilibre, vont se poser au niveau de la ligne. Je vous le prouve tout de suite. Enfin, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de bien grouper vos jambes juste avant de les serrer. Ça vous permettra d'éviter au maximum de laisser passer le ballon entre les jambes quand vous faites le nori. C'est de la pratique, c'est de l'entraînement. Recommencer, 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 recommencer et réussir à trouver ses repères. Si vous suivez toutes ces étapes, normalement, ça devrait le faire. Et avec un peu d'entraînement, vous saurez faire le nori clutch. Maintenant, si tu as envie de suivre les autres vidéos qu'on fait, tu peux voir ici que tu peux t'abonner. Tu peux aller ici sur Footstyle, Facebook, Twitter, Instagram. On t'attend et voilà, j'espère que t'as kiffé et que tu pourras faire le nori clutch très vite. Ciao. Moi, mon truc, monsieur, c'est que je le nori clutch facile. Et oui, je prends l'accent marseillais quand je dis des bêtises. J'ai pas besoin de regarder le ballon pour faire le nori clutch. Et je peux même le faire avec une main. Mais seul le ballon, par contre. J'y travaille.